Et donc salut tout le monde, on se retrouve pour un méga yacht, voilà donc avec hélicoptère, oui. Donc quelques heures de construction, voilà. Assez dur à faire, quelques petits rajouts par rapport à l'image, notamment des fenêtres. Et donc ça a été juste assez chaud de la refaire à la version Minecraft. Donc par exemple ça, les grandes fenêtres, je les ai rajoutées. Sinon ça donnait juste extrêmement moche. Bah sur la photo, donc un vrai yacht, bah ça rend pas mal, mais par contre bah quand on le fait sur Minecraft, c'est vraiment moche. Donc voilà, donc là il n'est pas aménagé à part quelques petits endroits, voilà un hélicoptère, sinon avec le petit H qui est recouvert par l'hélicoptère. Donc, si vous voulez un tuto pour l'hélicoptère, dites-le moi. Vous mettez un tuto. Si une deuxième personne veut un tuto, bah, mets un pouce vert sur le commentaire, s'il vous plaît. Ne réécrivez pas un tuto. Du coup, bah, là, c'est vide. Là, j'ai mis une grande verrière. Ouais, on va appeler ça comme ça. Donc, ça, c'est des fenêtres, bah, normales qui étaient déjà au bateau. Donc, voilà. Donc, étage en dessous. Hop. Et voilà, c'est juste immense, donc j'ai pas aménagé. Bon, donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, voilà, c'est juste comme ça. Hop. Donc voilà, voilà, j'ai mis un jacuzzi là parce que histoire que ça soit à peu près décoré. Voilà, donc un petit jacuzzi, ça fait pas de mal. Voilà, ici, voilà. Une bonne vieille technique. Et donc une vue imprenable sur la mer. Et d'autres bateaux. Mais celui-ci, il est raté, celui d'à côté. Bah, moi, je le trouve raté personnellement. Regardez, je le trouve moche. Je sais pas vous. Donc moi, j'aimerais voir un tuto ou comment on fait ces cabines. Parce que moi, j'y arrive, mais pas du tout. Regardez, elle est moche. Si la cabine était mieux faite, le bateau serait vraiment hyper beau. Mais bah, vous verrez sur l'image, mais voilà. Donc voilà, donc c'est mon petit yacht. Petit, petit, oui, assez petit, mais assez grand en même temps. Voilà. Donc avec deux petits moteurs à l'arrière qui doivent. Voilà. J'ai fait comme ça, voilà, j'ai testé une nouvelle forme de moteur. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous en voulez d'autres. Donc je pense que j'en ferai pas d'aussi grand. Bah, des moins durs. Même s'ils sont plus grands, c'est pas grave. Je veux des moins durs. Bah, parce que essayer de me refaire ce yacht qui est juste immense. Voilà, je vais. Sur la photo, j'ai essayé de faire à peu près pareil. Bah encore heureux parce que je m'inspire d'une photo, mais voilà quoi. Donc avec une coque bah plate, voilà, sauf là. Donc voilà, donc mon pack de textures, bah c'est moderne HD, je crois. Oui, c'est moderne HD. Voilà. Donc voilà, donc les quelques petits rajouts de fenêtres, comme je l'ai dit, mais vraiment pour que ça rentre bien, hein. C'est pas pour le plaisir d'en rajouter, hein. Voilà, parce que là, ça va là. Mais du coup, ici j'ai dû surélever. Alors vous allez me dire, mais pourquoi surélever un étage en fait, bah, qui est tout à fait normal? Parce que ces fenêtres-là étaient comme ça, et les autres fenêtres de l'avant étaient surélevées, hein, d'un bloc. Donc voilà pourquoi j'ai surélevé à cet endroit là-bas, si on voit bien dans le bateau, sauf qu'on voit rien. Voilà, là-bas, ici, ça a été surélevé. Donc bah, moi je le trouve assez bien, ouais. Parce que ce qui gâche un peu ce bateau, c'est les cabines partout que je n'arrive pas à faire en fait. Donc voilà, donc je vais vous laisser. Bah, sur cette petite image, et donc je vous dis salut tout le monde.